Bonjour et bienvenue dans le mot à méditer aujourd'hui. Alors nous allons voir ensemble le mot du jour. Donc notre mot aujourd'hui c'est l'obéissance. L'obéissance vient de Dieu. L'obéissance c'est une attitude qui nous bizarre et qui donc pour nous capable faire face à la vie de tous les jours. Comment est-ce que l'obéissance aide-nous pour faire face à la vie de tous les jours? Regardez-moi, nous connaissons qu'il a force, il aide-nous, nous connaissons qu'il a paix, la joie, il aide-nous. Mais comment est-ce que l'obéissance aide-nous dans notre vie de tous les jours? Eh bien, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes qui connaissent le Seigneur, nous avons cette grâce qui nous entend le Saint-Esprit. Nous avons cette grâce qui nous aide le Seigneur, qui cause avec nous, qui dirige nos bonnes pas. Et même la lumière, c'est notre sentier, comment nous dire? Eh bien, dans la vie de tous les jours aussi, Libizin, cette personne qui guide nous, qui dirige nous, cette personne qui donne nous ma directive, qui aide nous pour prendre ma décision. Mais si nous pas prend compte à la voix de Dieu, à l'obéissance qui Libizin pratiquait, là, nous pouvons le trouver qui bien souvent, c'est là que nous avons le brosse du néné. Bien souvent, c'est là que nous pouvons le gagner ma taction devant. Donne-nous un exemple, moi, parfois, bien souvent, mon gars est pas une pensée qui vient comme ça, passe dans ma tête comme ça, allez. Ok, et tu la vois, moi tu la brises, moi tu n'es pas faux, pas une pensée comme dit qui peut venir bien. Une petite affaire passe dans la tête comme ça. Ok, comment dire pour dire moi, par exemple, c'est pas une fois, moi tu sortis vite la maison, une pensée dans ma tête, t'es un carreau. Tu as bien, enfin, t'es un carreau, moi tu t'es allé là. Après, je me disais, bon, tu connais, laisse-moi rentrer, laisse-moi guetter bien. Le temps est venu, vraiment, carotte allumée. Ok? Ça, et l'autre coup, encore, tu n'as dans mon latin, je me disais, mais, je prends la clé. Et, mais ça, je me disais, mais, pas pour viser la clé, parce que la personne qui est dans sa place là, tu es déjà là-bas. Donc, je me disais, mais qui fait, je prends la clé, en plus, il disait, il y a un là-bas. Pensez là, dans mon latin, passez comme ça, dis-moi, prends la clé. On dit non, mais pas m'amuser la clé. Et déjà, je suis revenu encore. Moi, je dis, bon, tu connais, des fois, comme je me pensais comme ça, je me dis, m'amuser, prends compte. Donc, je prends la clé. Vraiment, le temps arrive là-bas, la porte fermée, je dis, la partie là, il y a un souci, il y a une bise sortie. Et finalement, moi, mon bise ouvert. Donc, mon petit bise prend la clé pour ouvrir. Et si la clé est partie avec moi, moi, tu brises des hausses jusqu'à ce que la personne vienne. Donc, finalement, on a trouvé que Dieu il dirige nous sur beaucoup de choses qui apparaissent banales, qui apparaissent simples. Ça, c'est une petite affaire de la vie de tous les jours qui m'ont fait partager avec eux. Mais il y a une grosse quelqueuse décision qui parfois nous prend. Et si nous ne prenons pas compte, ça t'y la voix qui nous peut tendre là, ça t'y direction là, ça t'y guide là. Parce qu'il n'est pas pour ceux qui m'ont dit, oh, pas aller, donne-nous la tête. Hein. Il est pour passer, Brit, si tu entends, tu entends. Si tu ne pas entends, tout ça fait autant là. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut être souple à la voix de Dieu, comment nous dire. Alors, moi, je lui encourage chacun d'entre nous aujourd'hui, pas donc oublier cela, pas donc, et comment vous dire ça, pas laisser même être pris par tellement de choses dans toute la tête qui te pas peut entendre la voix de Dieu. Parce que si tu pas entendre la voix de Dieu, tu pas peut être obéissant. Ok, pas ignore, voilà le mot, pas ignore. Une parole qui te peut recevoir dans tes lèvres ou dans tes pensées, parce que bien souvent Dieu peut cause avec nous. Maintenant, bien qu'on discerne, bien sûr, donc c'est important qu'il nous demande le discernement, la sagesse de Dieu, parce qu'il nous bien connaît ce qui sa pensée là, il vient de Dieu, et ce qui sa pensée là, il vient de moi en tant qu'humain, ce qui c'est mon émotion qui peut causer, ce qui c'est mon la peur, ce qui c'est mon doute qui peut causer, ou est-ce que sa pensée là, il vient de quelqu'un d'autre. Donc, pas une dimanche qui fait télépathie en nous, bien sûr, pas ça qu'il veut dire, mais quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, ben, cause qui dit mon indie, qui nous prend compte, qui nous tourne dans nous la tête, qui nous peut réfléchir, nous l'a dit, oh, ouais, l'indie, ça, c'est capable, ceci. Pas ça qu'il veut dire, qui nous bise prend compte, là, nous bise prend compte. Surtout, c'est qui, bon Dieu, peut dire, nous, Aïla, ça, c'est mon directive. Et bien sûr, bien souvent, nous ne pas connaître si exactement c'est la directive de Dieu. Mais comment nous pouvons connaître ça? C'est quand nous connaissons sa parole. Si tu connais la parole de Dieu, tu peux connaître si sa pensée là, d'après sa volonté, ou si c'est une pensée qui n'est pas d'après sa volonté. Okay? Par exemple, si nous avons une pensée qui peut dire, nous, elle fait du mal à un tel, ou à cause menti, plus telle quelque chose.
même s'il paraît comment dire, tu peux sortir toi dans l'embarras qui peut-être tu étais là, mais dire un mensonge ou elle fait une manigance ou elle manipule certaines personnes, c'est pas selon la parole de Dieu. Donc c'est pas une pensée qui vous vient de Dieu, bien qu'il paraît une bonne solution, il paraît pour tirer toi d'un problème, mais il n'est pas selon la parole de Dieu. Donc Dieu n'est pas pour donner une directive, une quelque chose pour faire qui parle à l'encontre de sa parole. Alors c'est tellement important de savoir la parole de Dieu qui dit, hein, et d'après ça nous devons être obéissants. On lui donne aussi cet exemple de Saül qui était roi, ok, mais il désobéit à Dieu. Et ça nous fait vraiment ce downfall. C'est vraiment une cause de la chute parce qu'il est impatient. Des fois, l'obéissance, il manque aussi avec la patience. Parce que quand on est impatient, nous avons tendance pour aussi être désobéissant. Si nous sommes impatients, pour connaître qui pour faire, vers qui pour aller, qui solution est dans là-dedans, okay, qui décision nous devons prendre quand nous sommes impatients, bien souvent, nous pas pour rester dans l'obéissance de Dieu, nous pour faire pour nous propre la tête, nous pour penser mais qui nous a fait parce que le temps presse, comme tu peux dire. Mais voilà, Molly encourage chacun d'entre nous, qui nous capable vraiment aussi être animé d'un esprit de patience. Ok, demande à Dieu, aide-moi pour manifester la patience parce qu'il y a la patience en nous. Donc demande à Dieu, aide-moi pour manifester ce fruit de l'esprit, manifester la patience afin qu'il nous capable vraiment démontrer l'obéissance envers Dieu, envers la parole de Dieu. Pas fait comme à Saül qui cap peut-être bon dit tester à travers de ce moment-là. Et le Samuel comme a dit tordé pour venir le prophète Samuel afin qu'il pour vraiment tester est-ce qu'il Saül pour obéir, est-ce qu'il peut attendre Samuel lui dit après fait ce qu'il tu bien faire ou bien est-ce qu'il peut finir à le faire quelque chose là avant même que Samuel vienne. Et l'action c'était la même, mais l'action c'était la même, il bien faire ce qu'il tu bien faire ce qui Dieu ne demande ni faire, mais il pas attendre. Et le fait qu'il pas attendre, c'était une désobéissance envers Dieu et surtout envers le prophète aussi, c'était un manque de respect. Donc, nous ne devons vraiment pas faire comme ça, mais vraiment, God, c'est qui pour dire, dire. Même s'il paraît comment dire, ah yo, mais le temps est pressé là, laisse-moi dégager, moi, redonne une solution. Non, parce qu'il bon Dieu, il connaît qui mieux pour toi. Des fois, il peut tester ta patience et ta l'obéissance, afin qu'il lui donne vraiment la chose qui besoin pour tirer toi dans ce qui t'est bien sorti. Donc, voilà, on va pas être plus long aujourd'hui. Restons dans l'obéissance à Dieu. Ne pas faire comme Ève, Adam, ne pas faire comme Saül, ok? Mais vraiment nous obéir et nous avoir une lecture d'obéissance. Côté là, nous capables de trouver la main de Dieu agir. Et voilà, passez une bonne journée aujourd'hui. Je vous retrouve demain dans un autre mot à méditer. Soyons obéissants.